Système équivalent. 2 systèmes S1 et S2 sont dits équivalents s'ils ont les mêmes solutions. Pour bien comprendre cette définition, on va l'illustrer avec un exemple. Le couple 1-2 est une solution du système S1 défini par x plus y, il est égal à 3, et x moins y est égal à moins 1. En effet, en remplaçant x par 1 et y par 2, nous aurons, dans la première équation, nous aurons 1 plus 2, il est égal à 3, et dans la deuxième équation, 1 moins 2, effectivement, est égal à moins 1. Mais le couple 1-2 n'est pas une solution du système S2 suivant. S2 défini par x plus y est égal à 3 et x moins 2y est égal à 0. En effet, en remplaçant x par 1 et y par 2 dans les équations, on aura dans la première équation, on a 1 plus 2, il est égal à 3. Dans la deuxième équation, on aura 1 moins 2 fois 2, et ça c'est égal à moins 3, et qui est différent de 0. Donc ce n'est pas une solution de la deuxième équation. Et par conséquent, 1-2 n'est pas une solution du système. Donc S1 et S2 n'ont pas les mêmes solutions. Par conséquent, S1 et S2 ne sont pas équivalents. Plus loin, on va développer certaines règles pour reconnaître si deux systèmes sont équivalents. Règle d'obtention de systèmes équivalents. Soit S un système linéaire qui a P inconnus et N équations. La i-ième équation est encadrée en vert et la j-ième équation est encadrée en jaune. On obtient un système S' en permutant la i-ième équation avec la j-ième équation. Le système S', il est équivalent à S. Donc, on obtient la règle 1. On obtient un système équivalent S' en permutant deux équations du système S. Exemple, soit S, le système linéaire défini par la première équation en rouge, 2x plus 3y moins 2z est égal à 1, la deuxième en noir, x plus 5y moins 8z est égal à 6. Et la troisième en bleu, 3x moins 4y plus 7z est égal à 9. On permute la première équation avec la troisième équation. La première équation va devenir la troisième équation, E3. Ce qui donne un nouveau système S' dont la première équation est 3x moins 4y plus 7z est égal à 9, et on met la première équation dans la troisième, ce qui donne 2x plus 3y moins 2z est égal à 1. La deuxième équation reste inchangée. Alors le système S et S' sont équivalents. Soit E indice 1, l'équation de la forme suivante, où x1, x2, xp sont les inconnus et les coefficients correspondant à l'inconnu xi, c'est a indice i. Le second membre, c'est a. De même, l'équation linéaire E2 est de la forme suivante. Qui a les mêmes inconnus
et les coefficients sont de la forme P indice I et le second membre c'est B. On définit la somme des deux équations E1 et E2 par l'équation linéaire de cette forme où les inconnus sont les mêmes, x1, x2, xp, et le coefficient correspond à l'inconnu xi, c'est ai plus bi, et le second membre c'est a plus b. Soit S un système linéaire ayant pour équation E1, E2, etc. de façon générale E indice i et la dernière équation c'est En. On construit un autre système S' qui a pour équation E1, E2, etc. Et pour la ième équation, on prend EI plus EJ pour tout J appartenant à l'ensemble 1, 2, etc. jusqu'à N. Et on continue comme ça, on ne change rien, jusqu'à la dernière équation EN. Alors, ce système S' construit, il est équivalent à S. D'où la règle suivante. Règle 2. On obtient un système équivalent S' en ajoutant à une équation du système S une autre équation du même système S. Exemple. Soit S le système linéaire défini par les équations suivantes. 2x plus 3y moins 2z est égal à 1, x plus 5y moins 8z est égal à 6, et la troisième, 3x moins 4y plus 7z est égal à 9. Ce sont trois équations E1, E2 et E3. Alors, on ajoute à E2, E1. On obtient un système S' dont la deuxième équation est x plus 2x, ça fait 3x, 5y plus 3y, ça fait 8y, moins 2z plus moins 8z, ça fait moins 10z, et le second membre est 6 plus 1, ça fait 7. La première équation reste inchangée, ainsi que la troisième. Le système S' obtenu, il est équivalent à S. Soit E, une équation linéaire de la forme A1x1 plus A2x2 plus etc. plus APxP est égal à 1. Soit lambda un nombre réel, par définition, lambda fois E est l'équation linéaire de la forme suivante, c'est-à-dire les coefficients sont multipliés par lambda. Et le second membre aussi, il est multiplié par lambda. Ceci, quel que soit lambda appartenant à R. Soit S un système linéaire à N équations, E1, E2, etc., de façon générale, EI, et à la fin, l'équation EN. Soit lambda appartenant à R et 3, un nombre réel non nul, on construit le système linéaire suivant S' qui contient les équations suivantes E1, E2, etc. Et au lieu de EI, on multiplie EI par lambda EI, avec lambda appartenant à R étoile, etc. et jusqu'à En. S et S' sont équivalents. On obtient alors la règle suivante. Règle 3. On obtient un système équivalent S' en multipliant une équation du système S par un nombre réel non nul. Exemple, soit S un système linéaire à trois équations. La première équation 2x plus 3y moins 2z est égal à 1.
La deuxième, x plus 5y moins 8z est égal à 6. Et la troisième, 3x moins 4y plus 7z est égal à 9. On multiplie la première équation par moins 1, ce qui nous donne un système S' avec la première équation qui est moins 2x moins 3x plus 2z, il est égal à moins 1. On multiplie la deuxième équation par 2, ce qui nous donne S' la deuxième équation serait 2x plus 2y plus moins 16z est égal à 12. Et finalement, on multiplie la troisième équation par 3, ce qui va nous donner dans la S', la troisième équation serait 9x moins 12y plus 21z est égal à 27. Nous avons alors S et S' sont équivalents. Généralisation, soit E1, E2, etc. En, n équations linéaires à p inconnu. On appelle combinaison linéaire de ces n équations toute équation linéaire de la forme c1 fois e1 plus c2 fois e2 plus etc. plus cn fois en, où c1, c2, Cn sont des réels. Soit S un système linéaire qui contient n équations E1, E2, etc., Ei et jusqu'à la dernière équation En. On associe à S le système S' défini par E1, E2, etc. jusqu'à l'ordre I, où EI est remplacé par l'équation lambda fois EI plus une combinaison linéaire des autres équations avec aussi lambda différentes ordres, c'est-à-dire lambda EI plus C1, E1, plus etc., plus CI moins 1, E, I indice I moins 1, plus CI plus 1, E indice I plus 1, plus etc., plus CN, EN, plus etc., jusqu'à la fin, l'équation EN. Alors, le système S' construit, il est équivalent au système S. On obtient alors la règle 4, qui est une déduction des règles précédentes, et qui est la suivante. On obtient un système équivalent S' en multipliant une équation de S par un nombre réel non nul, et en y ajoutant une combinaison linéaire des autres équations du système S. Exemple, soit S défini par les trois équations suivantes, E1, E2 et E3. On construit un autre système S' en ajoutant à E la combinaison linéaire moins 4E1 plus 2E3. On a ajouté à E2 une combinaison linéaire des autres équations. Donc c'est E2 qui va changer. Avec cette formulation, calculons les coefficients de la nouvelle équation pour chaque inconnu et le second membre. Relativement à l'inconnu x, nous avons E2 a pour coefficient 1, E1 a pour coefficient 2 et E3 a pour coefficient 3. Donc, E2
moins 4, 1, plus 2 et 3, c'est 1, moins 4 fois 2, plus 2 fois 3, ce qui nous donne moins 1. De même pour l'inconnu y, e2 a pour coefficient 5, e1 a pour coefficient 3, et e3 a pour coefficient moins 4. Donc e2 moins 4e1 plus 2e3, ça fait 5 moins 4 fois 3 plus 2 fois moins 4, ce qui fait moins 15. De même pour l'inconnu z, nous avons les coefficients de e2 c'est moins 8, coefficient de e1 c'est moins 2, le coefficient de e3 c'est 7. Donc e2 moins 4e1 plus 2e3, ça fait moins 8, moins 4 fois moins 2, plus 2 fois 7, ce qui fait 14. Pour le calcul du second membre, nous avons e2, c'est 6, moins 4 fois e1, c'est 1, plus 2 fois e3, c'est 9, ce qui fait, le calcul, ça fait 20. La première et la troisième équation n'ont pas été modifiées. Conclusion, S et S' sont équivalents. Résolution d'un système linéaire triangulaire supérieur. Un système linéaire est dit triangulaire supérieur si sa matrice associée est une matrice carrée triangulaire supérieure. Exemple, soit le système dont la première équation est x moins 2y plus 4z moins t est égal à 2, la deuxième équation moins 6y plus z plus t est égal à moins 1, la troisième équation 2z moins t est égal à 4, et la quatrième équation, 3t est égal à 6. Ce système admet comme matrice associée la matrice. C'est une matrice triangulaire supérieure. Donc le système est un système linéaire triangulaire supérieur. Ce genre de système est facile à résoudre. On procède de la façon suivante. On résout la dernière équation et on remonte vers l'avant-dernière et ainsi de suite jusqu'à la première. C'est ce qu'on appelle une résolution en cascade, c'est-à-dire de bas en haut. Dans notre exemple, on résout l'équation 4, ce qui nous donne t est égal à 6 sur 3 est égal à 2. On remplace t dans l'équation 3, ce qui nous donne 2z moins 2, elle est égale à 4, et d'où on peut tirer que z est égal à 3. On remplace t et z dans 2, ce qui nous donne moins 6y plus 3 plus 2, il est égal à moins 1, d'où on peut tirer y est égal à 1. Et finalement, on remplace t, z, y dans 1, ce qui nous donne x moins 2 fois 1 plus 4 fois 3 moins 2, il est égal à 2. D'où le calcul nous donne que x est égal à moins 6. Donc le quadruplé moins 6, 1, 3, 2 est une solution du système. En note, l'ensemble des solutions S est égal à l'ensemble du quadruplé moins 6, 1, 3, 2. Il y a une seule solution, donc c'est un système déterminé.